Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de faire une vidéo. En fait, c'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui ai décidé, ce sont mes guides. C'est pas sur leur demande, c'est sur leurs conseils. Comme ils sont souvent de. Alors, pas je dis souvent, ils sont toujours de bons conseils, donc je suis leur conseil. Ils m'ont dit, David, tu viens de faire une vidéo où tu expliques qu'est-ce qu'un plan de conscience. Il serait bien que dans la continuité, que tu lui parles des défunts. Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Et comment se portent-ils? Donc voilà, je suis leur conseil et je vais donc développer aujourd'hui, je vais donc vous parler des défunts à travers cette nouvelle vidéo. Alors, je ne vais pas reprendre mes explications de la dernière vidéo où je parle du plan de conscience justement. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on passe de l'autre côté, vos défunts arrivent sur un plan de conscience qui leur correspond, qui est déterminé par leur niveau de conscience, leur niveau de compréhension, leur niveau de sagesse et de savoir, j'ai envie de dire. Qui va déterminer le plan de conscience sur lequel ils se retrouvent, le but étant d'arriver en haut de l'échelle de la conscience et de devenir comme nos guides un jour, amour universel et inconditionnel. Et un jour, nous, des guides de lumière à notre tour, et de pouvoir guider les autres. Voilà. Quoi qu'il en soit, tous ces plans de conscience, ce sont des dimensions supérieures qui sont à l'horizontale, tout est impliqué, côte à côte, tout est à l'horizontale, au-dessus de nous, il n'y a personne, je le répète. C'est ce qu'on appellera l'astral. Voilà. Donc, quel que soit le plan de conscience sur lequel se trouvent vos défunts, dites-vous qu'il est dans l'astral, dans des dimensions qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas entendre, avec nos sens terrestres en tout cas. Nous sommes en 3D, nous dans la troisième dimension, dans la matière, c'est la 3D, c'est une largeur, hauteur, profondeur. Nous sommes dans des corps terrestres, dans des enveloppes de matière, qui fait que nous avons des sens terrestres, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tous ces sens qu'on connaît et qu'on développe quand nous sommes petits, naturellement, parce que nos parents nous l'inculquent, parce qu'eux aussi, auparavant, on leur a appris à développer leurs cinq sens. Maintenant, nous, les médiums, nous développons les sens subtils, la clairaudience, le clair ressentir, la clairvoyance, le clair savoir, toutes ces perceptions qui nous permettent de nous connecter avec l'au-delà et de créer un lien avec nos guides ou avec les défunts. On va les entendre, les voir, mais vraiment différemment. Ça va nous permettre de se connecter à tout ce qui est intangible, à ces dimensions qui sont parallèles, à côté en tout cas. Voilà. Premier cas de figure, donc les défunts passent dans la lumière et se retrouvent sur l'échelle de la conscience, là où ils doivent être en fonction de leur conscience. Deuxième cas de figure, les âmes restent sur Terre pour plusieurs raisons. La première, il arrive parfois que l'âme ne se rende pas compte qu'elle décède. Mais il y a des morts qui sont violentes, qui sont subites, comme un crash d'avion, attentat ou pas, un assassinat, un accident de moto, de voiture, où la mort est subite, et quelque chose de frontal et de rapide. Maintenant, ça peut être aussi par maladie, crise cardiaque, AVC, rupture d'anévrisme, des choses qui sont brutales et rapides, qui fait que la personne, l'âme, ne se rend pas compte qu'elle décède, et du coup, elle reste sur Terre, bien évidemment, elle ne va pas trouver la lumière, parce qu'elle ne la cherche pas. On ne peut pas trouver quelque chose qu'on ne cherche pas, ça c'est bien une vérité. Donc du coup, elle reste sur Terre, et elle va... dans sa maison, elle retourne dans sa maison, elle va parler avec son mari, sa femme, ses enfants ou son frère, je ne sais pas, suivant l'âge et la situation de la personne, elle retourne dans sa maison, elle parle avec tout le monde et elle vit en boucle comme ça quelque chose, elle ne se rend pas compte, elle parle à tout le monde, personne ne lui répond, vous en apercevez pas, bien évidemment, et elle non plus, elle ne s'aperçoit de rien. Maintenant, le temps va interagir en sa faveur, son guide, nos guides ne nous quittent jamais, sur Terre, mais également dans l'astral. Son guide est toujours là à le protéger, à veiller sur cette âme. Et la prépare à se rendre compte de sa mort tout doucement, à son rythme, pour qu'elle soit prête justement à passer dans la lumière. D'où les passeurs d'âmes, nous sommes nombreux à faire passer des âmes. Maintenant, petite parenthèse rapide, ne faites pas passer des âmes, ne faites pas passer des âmes, pardon, n'importe quand, n'importe comment. Assurez-vous toujours que c'est le bon moment pour l'âme, qu'elle le souhaite. Idéalement, adressez-vous à vos guides qui vous valident vraiment ce passage, on ne fait pas passer une âme n'importe comment et n'importe quand. Fin de la petite parenthèse. C'est important de le signaler pour moi en tout cas. Après, il y a des âmes aussi qui ne passent pas dans la lumière parce qu'elles sont attachées à la Terre. Elles se rattachent sur Terre en fait émotionnellement aux personnes qu'elles laissent. Prenez l'exemple d'une maman qui a des enfants en bas âge, deux petits garçons, ne serait-ce qu'un, c'est pas possible, je peux pas l'abandonner. Trop d'amour, et qu'est-ce qu'il va faire devant? Il a besoin de sa maman, et du coup, elle reste près de lui, elle l'aimait, elle protégeait. Lui apporter tout l'amour possible, on lui laissera le temps qu'elle souhaite pour rester près de son enfant, jusqu'au moment où elle sera prête à partir. Le temps est élastique, le temps n'existe pas de l'autre côté, c'est nous qui créons une illusion
l'illusion du temps. Maintenant, il peut rester 20 ans, 30 ans, comme 3 jours ou 3 semaines. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'âme aille bien. Voilà. Donc le jour où elle sera prête, elle passera de l'autre côté. Après, il y a des gens aussi qui s'attachent à... Je le disais, nous sommes dans la 3D, dans une dimension de matière, et les gens s'attachent à cette matière. Ça va être l'argent, la luxure, le paraître, toutes ces vibrations, tous ces sentiments qui sont bas, j'ai envie de dire, voilà, pas méchants, mais voilà, des vibrations basses qui vont être matérialistes, la luxure, voilà, les belles maisons, l'argent, toutes ces choses. Et du coup, lorsqu'ils décèdent, de l'autre côté, il n'y a plus rien, le matériel n'existe pas, il n'y a plus de matière. Ils ont tout perdu, ils ne veulent pas tout perdre, donc du coup, ils restent dans l'argent, dans la luxure, dans leur maison, dans leur voiture, voilà. Une fois de plus, suivant ce qu'ils sont venus expérimenter, l'orgueil, l'ego, je ne sais quoi, c'est pas que toutes les personnes qui sont aisées, qui sont dans la richesse, qui ont un certain patrimoine, il y a des gens qui passent très bien de l'autre côté, il n'y a pas de problème, tout dépend de ce que vous êtes venu expérimenter. Voilà pour situer nos défunts. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Alors sur Terre, bah, je le disais, la maman qui va rester auprès de ses enfants, elle va les aimer. Ceux qui restent attachés à la matière, bah, se reconstituer leur vie et puis seront dans leur maison, dans leur entreprise, voilà, ce genre de choses. Et des âmes aussi qui sont dépendantes, nous avons nos addictions sur Terre, comme l'alcool, le tabac, ce genre de choses, et des drogues beaucoup plus moins douces, on va dire. Et ces addictions, parfois, je dis bien parfois, ne vous dites pas que tous les alcooliques et tous les fumeurs ne passent pas dans la lumière, parfois les addictions sont plus fortes que l'appel de la lumière, du coup l'âme reste sur Terre à cause de cette dépendance, et elle ne boit plus, elle ne fume plus, par contre elle a envie, donc elle attend désespérément, se disant que peut-être, quelque part, elle pourra assouvir sa dépendance. Maintenant, de l'autre côté, lorsque les âmes arrivent sur leur plan de conscience, quel qu'il soit, alors bien évidemment, plus ils sont hauts sur l'échelle de la conscience, plus ils ont dépassé de choses, plus il y a de sagesse, de compassion, d'amour, d'abnégation, toute cette belle vibration, l'inverse de ce que je citais avant, fait qu'elles vont être mieux, j'ai envie de dire, que quelqu'un qui sera en bas de l'échelle de la conscience, porté par de belles énergies, en tout cas de belles vibrations. Maintenant, très souvent, les défunts, lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, alors très souvent, systématiquement, ils font déjà un débrief de leur vie, ils vont faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi, est-ce que j'ai pas réussi, pourquoi je n'ai pas réussi, comment j'aurais dû m'y prendre, comment je me sens, est-ce que je vais bien. Il y a des gens qui m'ont fait du mal, moi j'ai fait du mal aussi, j'en fais tous des erreurs dans la vie, et c'est normal, c'est dans les erreurs qu'on se construit, qu'on apprend. Donc il va penser ses blessures, il va comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, et pourquoi ceci, pourquoi cela, vraiment un bilan de sa vie. Parfois, on attend l'être qu'on a aimé sur Terre. Prenez l'exemple, par exemple, de vos grands-parents. Pour ceux qui sont déjà partis, votre grand-père, admettons qu'il soit parti avant votre grand-mère, et bah, il l'a attendu, et le jour où votre grand-mère arrive, ils reprennent leur histoire là où elle s'est arrêtée, et ils reconstruisent leur histoire, leur concombre, ils refont leur maison, peut-être que votre grand-père faisait du jardin, du bricolage, et votre grand-mère allait ramasser des fraises dans le jardin, il faisait des confitures de fraises, voilà, ils continuent à s'aimer, à se protéger, et jusqu'au moment où ils auront envie de passer à autre chose, et le temps, c'est eux qui le choisissent, le temps n'existe pas de l'autre côté, donc tout le temps qu'ils souhaitent, ils peuvent passer 20 ans ou 3000 ans à faire ça, il n'y a aucun problème, c'est ok pour tout le monde de l'autre côté. Nous sommes aujourd'hui dans l'incarnation, nous sommes maîtres de notre jeu, nous déterminons nos propres choix. De l'autre côté, c'est pareil, chacun prend ses décisions, il n'y a aucun problème. Voilà, jusqu'au moment où ils sont prêts à de nouvelles incarnations, donc à préparer leur future incarnation. Alors peut-être qu'ils se sépareront à ce moment-là, peut-être qu'ils se réincarneront ensemble, tout dépend de leur cycle d'incarnation, de ce qu'ils ont prévu de faire ensemble. Voilà, il n'y a aucun problème. Maintenant, voilà, pour ceux qui se retrouvent en bas de l'échelle de la conscience, alors en bas, il y a plusieurs sortes d'âmes, j'ai envie de dire. Il y a le bas astral négatif, hein, qui fait des choses pas sympas, et on sait bien ce que c'est sur Terre, hein, les meurtres, les vols, voilà, toutes ces insanités qui existent sur Terre. Donc ce sont ce qu'on va appeler le bas astral négatif. Maintenant, il y a les nouvelles âmes qui sont nouvelles et qui sont au début de l'échelle, parce qu'elles sont... Ce sont des bébés, j'ai envie de dire, symboliquement. Et maintenant, il y a des gens qui... Alors des âmes qui... suivant l'incarnation qu'ils viennent d'avoir, ce qui porte sur leur conscience, comment ils arrivent à pardonner aux autres ou à soi. Ils portent des choses sur eux et ils vont eux-mêmes se plonger en bas de l'échelle de la conscience parce qu'ils ont du mal à se pardonner ce qu'ils ont fait, ils ont du mal à comprendre, donc ils vont penser leurs blessures, mais en bas. Voilà. Bien évidemment, le but, c'est pas de rester en bas, c'est de monter, hein, voilà, pour continuer à évoluer, arriver jusqu'en haut de l'échelle de la conscience. Maintenant, comment se sentent-ils? Ça va être un peu compliqué d'y répondre. Dites-vous que d'ores et déjà, par contre, c'est une vérité, c'est qu'ils sont de l'autre côté que sur Terre. La vraie vie, elle est là-bas, elle n'est pas ici. Nous sommes incarnés, nous jouons un rôle, hein, on prend un véhicule, notre corps, et notre incarnation est un rôle symboliquement. Maintenant, la vraie vie, elle est de l'autre côté, donc tout est joli, il y a beaucoup plus de belles énergies, de belles vibrations, de
belle osmose, de plein de choses. Maintenant, plus ils sont hauts sur l'échelle de la conscience, plus ils sont heureux, plus il y a de chances qu'ils soient heureux, en tout cas, parce qu'ils ont dépassé plus de choses et plus de jolis sentiments et de belles choses en eux qui va leur permettre d'aller bien. Une chose qui est importante aussi pour qu'ils aillent bien vos défunts, c'est de penser à eux de façon positive, de leur envoyer de l'amour et de la lumière. Je sais pertinemment qu'il est compliqué de faire un deuil. Maintenant, dites-vous, n'oubliez jamais que seul le temps est votre meilleur ami, votre meilleur allié. C'est lui et lui seul qui vous permettra de penser vos blessures, d'accepter l'intolérable, j'ai envie de dire, et de pallier au manque. C'est le manque qui est cruel. Alors, maintenant, soyez assurés qu'ils sont de l'autre côté, qu'ils, eux, vous voient, qu'ils veillent sur vous, qu'ils vous envoient de l'amour et de la lumière pour vous réconforter. Maintenant, vous faites l'inverse par votre tristesse, par votre négativité, j'ai envie de dire, vous abaissez leurs vibrations. Schématiquement, vous les ramenez, alors pas sur Terre, parce qu'ils ne reviennent pas comme ça. Maintenant, ils vont faire le yo-yo énergétiquement, vibratoirement parlant, et vont revenir dans des vibrations qui sont basses, qui ne leur correspondent pas. Là où ils sont heureux, ne leur envoyez idéalement, c'est une invitation que je vous lance, essayez de leur envoyer de l'amour, de la lumière. Plus vous allez faire ça, plus ils vont être heureux et ça va leur permettre de les élever même. Voilà, ils viennent régulièrement vous embrasser, vous chérir, vous dire plein de belles choses en consultation. Lorsque vous venez, vos défunts sont présents, sont toujours de jolies choses qui sont dites. Voilà, lorsqu'ils sont de l'autre côté, ils ont une vision qui est différente d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait, de vous aussi également, beaucoup plus de compassion, d'abnégation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne les entachent plus dans leur façon de voir les choses. Ils ont une vision à 360 degrés de tout ce qui s'est passé et beaucoup d'amour qui vous porte. Essayez de faire la même chose. Essayez, je sais que c'est compliqué. Soyez triste un minimum. Voilà. Le deuil se fait avec le temps. Acceptez l'inacceptable, l'intolérable. Voilà. Faites-le pour eux. Voilà, dans les grandes lignes, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur les défunts. Qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils font et comment se portent-ils. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort et d'ici là, prenez soin de vous.